really think that maybe they could actually show on one month off. If they had like another month to practice, they're a newer roster. I really think that maybe they could actually. Their roster seems pretty solid now. One month off. If they had like another month to practice, they're a newer roster. I really think that maybe they could actually show maybe more of what they're. Destabilize a team, or can that sometimes bring you closer? Month to practice, they're a newer roster. I really think that maybe they could actually show maybe more of what they're what they can actually do. But having you know the un. The thing is, when you have the situation like they. I really think that maybe they could actually show maybe more of what they're what they can actually do. But having you know the un. Their roster seems pretty. Maybe also going to give them the last edge. Show maybe more of what they're what they can actually do. But having you know the un. Their roster seems pretty solid now. Destabilize a team, or can that sometimes so well that you mirror what they can actually do? But having you know the un. Their roster seems pretty solid now. Destabilize a team, or can that sometimes bring you closer? The thing is, when you have the situation like team, but I'm saying like not yet. And having you know the un. Their roster seems pretty solid now. Destabilize a team, or can that sometimes bring you closer? The thing is, when you have the situation like they, maybe also going to give them the. They sort of become a blip on the radar. Their roster seems pretty solid now. Destabilize a team, or can that sometimes bring you closer? The thing is, when you have the situation like they, maybe also going to give them the last edge. So well that you. Tamura, right? You, they beat you once. Seems pretty solid now. Destabilize a team, or can that sometimes bring you closer? The thing is, when you have the situation like they, maybe also going to give them the last edge. So well that you, you're team, but I'm saying like not yet. And maps taken away. I can see straight off Mirage team, or can that sometimes bring you closer? The thing is, when you have the situation like they, maybe also going to give them the last edge. So well that you, you're team, but I'm saying like not yet. And they sort of is one of their best maps is Inferno. Is when you have the situation like they, maybe also going to give them the last edge. So well that you, you're team, but I'm saying like not yet. And they sort of become a blip on the radar. Tamura, right? Results. Sometimes a lot of teams like to upset them. I'm going to give them the last edge. So well that you, you're team, but I'm saying like not yet. And they sort of become a blip on the radar. Tamura, right? You they beat you once. Map's taken away. I can see straight. And I'm actually going to go to you first, Dan.
on est de retour sur la CMTV, toujours pour ces ESL One, Katowice, winner match du groupe B entre la team Envious et les LGB Esports. N'oubliez pas que sur la TV2, vous avez le loser match entre les Titans et les Penta. Donc les LGB qui eux se sont défaits des Penta Esports sur le score de 16-3, je crois, de façon assez expéditive. L'Envious qui eux ont remporté sur le fil leur premier match face aux Titans, 16-14, c'était sur Kubble, c'était un match de folie. Pour ceux qui l'ont vu, vous en souvenez sans doute. Les autres, vous avez raté quelque chose sincèrement, allez voir les replays, vous allez vous régaler. Et je suis plus ou moins toujours avec Woody qui finit de manger, qui va arriver d'ici quelques petites secondes. Et puis donc on va partir donc pour ce winner match donc de cette poule B. Pendant ce temps il y a aussi un Navy Flipside qui peut plutôt bien se passer pour les Navy. Vox Seminar Fnatic, je n'ai pas le score par contre. Je sais pas ce qui se passe, mais je crois qu'il y avait 11-1 par contre pour les Navy face au Flipside il y a encore 2-3 minutes. Donc on doit encore être sur la même dynamique. Donc pour l'instant pas de surprise dans ces poules, tout se passe plus ou moins comme prévu. À noter juste que les Titans ont montré un très 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 beau visage et qu'ils semblent bien partis en tout cas pour sortir de ces poules malgré qu'ils aient perdu contre l'Envious. Derrière ils affrontent les Penta qui eux visiblement ne sont pas bien du tout. Donc on devrait voir nos deux équipes françaises passer les poules si tout va bien, à moins que les Penta nous sortent l'exploit de sortir les Titans des poules. Qui rappelle aussi au passage que vous pouvez drop évidemment hein, des petites boîtes sur ce stream sans aucun problème puisque c'est un stream officiel, il suffit de linker vos comptes Twitch et Steam pour ce faire. Ce n'est pas la peine de spammer le chat à coup de slash drop ou autre pour tenter de maximiser vos chances, ça ne sert à rien, c'est de la pure luck. Alors que j'ai cru entendre un re de la part de Bouddhine dans l'oreillette. Exact, je suis là. Bien mangé. Oui, très vite mais... Ça passe toujours. Du coup, dis-moi ce que tu penses de ce match, les LGV face aux Envious, on est sur cash. Je pense que c'était une bonne match pour LGB. LGB, je les voyais pas à ce niveau-là. Je pensais vraiment que Penta allait être au-dessus. Finalement, non, puisqu'ils se ridiculisaient. Après, Envy est pas mauvais dessus non plus. Faire attention à des joueurs comme Rubinho ou Zeves qui peuvent courir et mettre des têtes rapidement. Mais je suis plutôt confiant pour Envy, je pense que ça va être un match vraiment fleuve. Je pense qu'il va y avoir un bon petit 16-3, 16-4 vraiment. Je pense qu'Envy est très très chaud, donc ça allait très vite. D'accord, je pense aussi que l'Envy devrait bien s'en sortir. Maintenant attention à ces LGB Esports, ces anciens London Conspiracy, c'est l'ancien London Conspiracy qui sont, je trouve, de plus en plus solides. Notamment comme tu l'as dit, Zeves et Rubinho qui sont assez chauds, Poly et Rain qui sont également extrêmement performants ces derniers temps. JKM pour moi un petit peu moins, mais qui reste solide. Toujours pareil sur une bonne marge de progression, c'est LGB qui sont voilà sur une pente ascendante et qui sait, peut-être que sur un momentum, sur ce BO1, ils pourraient éventuellement surprendre les NVS qui on a vu ont tendance à être un petit peu fébrile de temps en temps sur certains rounds décisifs. Donc faut faire attention, mais effectivement, logiquement il devrait pas y avoir de problème pour les Français. Alors que du côté de Navi Flipside, je crois que c'est terminé, il y a eu 16-1 pour Navi, si je me trompe pas. 16-1, ah oui, ah sa mère. Ça fait très mal. Et du côté de Fnatic, Vox et Minor, il y a actuellement 14-2 pour Fnatic. D'accord, bon bah c'est deux stompes, c'était prévu, le passage de poule va se jouer en loser match certainement entre Flipside, Vox et Minor et les Navy peut-être. Même si le winner match va être super stylé, Fnatic, Fnatic. Je pense que ça va être un match à suivre. Attention, Navy Fnatic. Enfin, 16h20 du coup, puisqu'il y a une petite heure de décalage maintenant. Le match va pas tarder à commencer, je pense. Ouais, ça devrait pas tarder. On attend un peu que les mecs marquent le début du ready là. Alors, caster voice off. Voilà, c'est bon. Par contre, j'ai un petit peu de lag sur la GoTV, je sais pas pourquoi. J'en avais tout à l'heure aussi, mais ça se ressent pas trop. Mais effectivement, de toute façon, je le vois au MS. Je vais retry. Mais j'en avais tout à l'heure aussi, tout du long. Je vais retry le stream, le côté V. Yo Fena, comment ça la poulet? Ah, apparemment on a un vote qui a été lancé, j'ai entendu un petit toulon. Je vois pas à l'écran, c'est plutôt bizarre. Eh bah c'est super, j'arrive pas mon co. Bah ça c'est bien ça, bravo. Allez là. Ah si c'est bon. J'arrive. Alors... Ok, au top, bah, y'a plus qu'à attendre le vote pour
pour commencer tout simplement ce match des winners entre les NVS et les LGB. On rappelle que ce sont les ESL One Katowice, premier major de cette saison 2015. 250 000 boules à se mettre dans les poches, donc autant dire qu'on n'est pas là pour déconner. Et pour l'instant, les NVS ont commencé leur tournoi de des façons maintenant chercher leur première win sur Kumble face aux Titans. Il va falloir confirmer maintenant face aux LGB pour tout simplement s'assurer une place en quart de finale. Exactement. Exactement, c'est exactement ça. Il restera quand même derrière. Si jamais les NVS venaient à perdre, il en resterait une dernière chance en affrontant le gagnant du match entre Titan et Penta. Titan est un petit peu plus dans la mouise que NVS, puisque si Titan perd son match face à Penta, ce sera terminé pour eux. 3 events majeurs, 3 events où ils ne passeront pas les poules, mais je sens que Titan est très très chaud et ouais, a envie de démontrer que j'ai tort, et je pense que ça va être bien. Ça c'est vraiment, normalement je vois pas les Titans perdre face au Penta, hein. Déjà parce que les Penta ont été très mauvais face au LGB, mais vraiment pas bons. Et là ils vont se manger des Titans qui ont réussi à tenir tête, presque même à battre Stenvius. Donc attention quand même à ces Penta, logiquement ça devrait plutôt bien se passer. Et pendant ce temps là, on est parti sur le Pistol Round. Les NVS qui sont donc en CT, les LGB en terreau, et visiblement on part pour une belle pression au niveau de ce BPA de la part d'LGB. Certainement qu'on va tenter de circle cette porte et ce main. Attention parce qu'il n'y a que Happy pour contrôler ce BPA. On défend, ouais. Pour défendre ce BPA, ça va aller très très vite. Attention, on s'est passé directement sur BP. Happy qui a fait quand même un bon kill, puisqu'il va bien défendre aussi, qui fera tomber la bombe. C'est bien fait. Happy qui est ressorti sur ce BP maintenant, il est à l'extérieur de ce main. On a pris l'information, il y a beaucoup de monde au niveau du NBK. Il y a même tout le monde, je crois, quasiment. Il n'y a plus qu'un seul terreau sur le BP, les deux autres sont au niveau du NBK. On essaie de jouer très très safe, mais ça laisse un petit peu Raid tout seul. Raid qui s'est fait marcher. Ouais, pas rapidement. Finalement, il fera faire un kill. Et Rubio qui se retrouve tout seul et qui fera le kill. Ouais, Happy qui a sauté sur Rain et qui a pas réussi à le tuer. Du coup, Rain l'a regardé en l'air, genre qu'est-ce que tu fais sur ma tête, et il l'a tué finalement. C'était le finish him un petit peu à coup de Ranger, ça l'a c'est pas marché. Ça, voilà. Et c'était bien tenté. Happy encore une fois qui nous a fait la spéciale, hein, genre ah, tu smokes, attends, je me mets dedans, je te défonce, après je vais me cacher. C'est du classique d'ailleurs, on est sorti à 4 portes, c'est dommage, il a pas pu avoir le revenge du coup au niveau de ce main. Ça a peut-être un petit peu fucké le round d'LGB, mais néanmoins ils ont réussi à poser la bombe et en soi c'est déjà plutôt pas mal. Plutôt pas mal comme tu dis, plutôt bien joué. Allez, c'est reparti. On va voir ça comment force, ça va se passer. Pas force buy, hein. Ouais, ça va pas force buy du tout. C'est éco total. C'est que neuf. Ça va buy le prochain. Allez, Kiyoshima qui a pris sa petite ligne au niveau du de la ligne B. Kiyoshima qui a fait un petit qui a mis un petit casque, c'est bien. Arane qui est reparti tranquillement du côté du mid. Il va être extrêmement compliqué pour les LGB à jouer ce round, ils sont tellement désavantagés. Il n'y a pas de Kevlar, il n'y a pas de stuff, il y a genre deux Tech Knight, ça va être très compliqué de pick les lignes. On voit qu'on a quand même un MP45 encore une fois sur MPK, il fait quasiment qu'avec ça en ce moment. C'est impressionnant, ça et les shootguns, c'est un peu son kiff. Pendant ça, on a quand même deux FAMAS de sortie sur Shox et sur Happy. Très peu de stuff par contre côté NVS également, parce qu'on a une seule smoke, une seule flash, elles sont sur Happy. Deux kits, donc on est quand même pas even non plus côté NVS, ça manque un petit peu de stuff. NBK qui a encore 700$, qui aurait peut-être pu les investir dans des flashs ou des tokens. Oh là là, le double kill de Smith dans le mid, ils sont sortis à la queue leu-leu. Poli qui va tomber lui aussi, Smith qui se fait plaisir, peut-être le quadruple kill pour Smith, le quadruple kill, le full team peut-être pour Smith. Et ça pose, ah non, Zeves, c'est le temps d'aller poser, hein. C'est bien joué de la part de Zeves d'avoir attendu le dernier moment pour aller poser. Et finalement, NBK qui va se faire plaisir et qui va prendre le kill. Là, petit manque de com, je pense, de la part des d'NVS, parce que pendant qu'il y avait eu le fight avec Smith dans le mid qui prend ses 4 kills, Happy venait de mourir sur le BPA, la bombe venait d'être vue, pour autant ça n'a pas back-up plus que ça. Hein. Ils ont vraiment laissé la chance au LGB de poser cette bombe. Peut-être un petit manque de réactivité sur ce round de la part d'NVS qui était encore un petit peu sur l'euphorie du 4 kills de Smith, mais attention, parce que ça, du coup, ça l'aimait bien économiquement l'LGB. Exact, à voir ce que ça a donné. Sur ce round, attention quand même à pas se faire surprendre, puisque là quand même il a réussi à planter la bombe comme on a dit. Faire gaffe si jamais le prochain coup il arrive à planter la bombe, faire un autre kill, ça peut aller très vite. Et bon, je pense que les NVS sont très très chauds et veulent prouver qu'ils sont là pour gagner cet event en montrant un niveau assez élevé dès le début de ces poules. Allez, l'information qui est prise par NBK au niveau de ce mid en sautant pour voir si ça se booste. Ah, il y a un double boost qui a été fait du côté de LGB. Il attend qu'il va un peu lâcher son mid, c'est un peu dur ça par contre de lâcher comme ça. Kiyoshima qui est dans les conduits pour prendre cet info boost. Ça a lâché sans info, ça c'est un peu audacieux. J'ai l'impression qu'on a envie de se boost nip. Ouais, c'est ce qu'il faut, ils sont en train de se booster NIP là sur le BPA. Donc ça c'est plutôt une bonne opération. Apparemment ça veut partir sur de la 3-2. Hein. Ouais, ça patiente toujours autant au niveau du mid. NBK qui est revenu prendre sa position. NBK qui est au niveau du jaune, il a pas vu sauter NBK à sa droite, c'est dommage.
Alors que Poli est passé sur le BP, Shox qui est tombé également. Happy qui est royalement placé encore une fois sur ce BP, pas été check, ils n'ont aucune putain d'idée de la position de Happy. Happy qui pourrait surprendre, Happy qui ne voit pas son adversaire. Allo, allo. Ah non, il l'a pas vu. Il l'a pas vu. Je sais pas, il y a un bug ou je sais pas, pour moi il était en face de lui. La smoke sur la TV, mais là franchement il était parti la smoke, hein. Donc là peut-être un petit peu étonnant ce qui vient de se passer, quoi qu'il en soit c'est du 2v4, 2v3 maintenant. Enfin qui prend un très bon kill avant de se faire éliminer. 1v3. Spice tout seul, Spice qui va peut-être devoir aller écho, mais en tout cas what the fuck ce qui s'est passé avec Happy là. Ouais, je sais pas vu non plus. J'ai cru voir que... pour moi on le voyait très bien, mais peut-être que les... Comment ça s'appelle ? Que les smokes dans les GoTV sont peut-être moins flagrantes, enfin je sais pas. Alors effectivement, elles sont différentes, elles sont un petit peu plus épaisses. Maintenant là quand même, la smoke chez moi il était genre plus quoi. Ah mais moi non plus, là, hein, pour moi il était plus du smoke. Hein, donc là c'est quand même assez étrange ce qu'a fait Happy. Il a peut-être cru que... enfin il a peut-être juste vu, mais il pensait pas qu'il le regardait en fait. Je pense que ça doit être un truc comme ça. Il a dû vouloir faire la fouine encore une fois, genre ne pas prendre le kill, attendre qu'il y en ait un autre qui zone pour tenter de prendre peut-être éventuellement un doublé. Sûrement. Mais il était peut-être un peu gourmand je pense. Quoi qu'il en soit, ça fait de 1 les LGB qui sécurise le premier round armé. C'est bien joué de la part de LGB. Attention, encore un échange de tirs très, très rapidement au niveau de ce mid. Shox et Kiyoshima. Kiyoshima est tombé, Shox a fait un bon kill. Oh, bien joué de la part de Shox d'enchaîner derrière. Un Shox très très agressif dans ce mid, il a raison. De toute façon, il y avait une double lame pour Revenge en cas de pépins. Et on se retrouve en situation du 4v3 maintenant, avantage Team Envy. On ne sait pas spécialement ce que font les LGB pour l'instant. Les informations qui ont été laissées un petit peu à l'abandon, on joue maintenant un peu plus reculé côté Team Envy sur ce milieu drone. Et on est en train de prendre le contrôle du mid. Ça va visiblement partir sur du BP encore une fois. Ouais, ça va partir très vite. Alors que Shox a repéré Robinho au niveau de ce conduit. La petite flash qui fait du bien. Ouh, le gros casque sur Robinho. Il a plus que 6 HP, il a reculé. L'info a été donnée, hein, qu'il est low HP. Il l'a vu, Richard, c'est bien joué. Et maintenant, il reste plus que Rain qui va arriver à faire tomber NBK. Oh, attention, et Rain. Rain! Mon dieu, Rain était sous le jaune. 1v1 face à Smith. Smith qui n'est toujours pas mort. 1v4. 6-0 pour Smith face à Rain. Rain est en train de se faire. Oh, le headshot, Rain. Rain qui fait quadruple kill sur ce round. Alors qu'il avait seulement 2 HP. Oh mon dieu, dommage. What a play! Il les a juste défoncés. Ah, magnifique ce qu'il a fait là. Impressionnant ce qui vient de sortir, Rain. On vous l'avait dit, méfiez-vous de ces LGB, ils sont capables de tout. On le voit, ce round armé est parti très très vite. On était quand même en situation de 1v3. Rain sort un v4. Effectivement, Rain qui prend 4 kills solo, 4 HS, c'était exceptionnel. On est maintenant en écho côté Team NVS. Et là, on déconne déjà un peu moins. On n'a pas sorti de force bas, il n'y a pas de Kevlar hein, côté Team NVS. Ouais, ça. Je pense qu'il y a un petit coup au moral qui a été pris là. Attention quand même. On avait tenté un petit all-in, on était quand même 4 sur le BPA. Il n'y avait que Happy sur le BPV. Happy derrière sa caisse hein, qui attend gentiment avec son CZ de se faire courir dessus. Le problème c'est que ça ne lui viendra pas tout de suite à la figure. On a encore une fois un contrôle map très très classique. On a 2 joueurs au niveau du boost dans le mid, 1 au niveau de la porte, 1 en lock en B. Pour l'instant c'est tout à fait basique ce que font les LGB. Et bah ça marche, on en est quoi en face, donc il n'y a pas de raison de se priver les poulets. Ouais, c'est peut-être un petit peu dommage de... Je reviens sur le round d'avant, le fait qu'ils ont tous rushé sur Rain qui était tout seul. Peut-être fallu l'attendre un petit peu, notamment Shox et Happy qui ont couru directement après le kill était fait. Rain qui était juste au niveau du jaune, qui a juste eu à faire des petites balles, à mettre des petites balles et c'est parti directement. Attention ça allait très vite. Ouais, ça allait très vite, Shox au niveau du jaune. Shox qui va se faire sans doute défoncer. Voilà, Smith qui a quand même à faire un bon kill. Smith qui tombe juste derrière. Le headshot de Kiyoshima sur le jaune. Rubino qui fera son kill sur 2v4 maintenant, attention Happy est en train de faire tout le tour. Et Rain sans doute, Rain le sait qu'il y a toujours Happy en fouini. Rain qui joue son... Pour l'instant c'est très très propre hein, ce qu'ils sont en train de faire, c'est LGB. Je vous dis faut pas les sous-estimer, hein. Il fallait très très vite ces joueurs là. Les Norvégiens qui sont visiblement en forme, on part pour le 3-2 pour les LGB qui vont normalement prendre le lead. Il y a peu de chances que ça parte plus ou moins sur ce round, il y a plus de temps de toute façon pour passer quoi que ce soit, c'est qui va éliminer. Dommage, alors qu'on me demande le X-Ray sur le stream. Alors le X-Ray moi chez moi il marche pas en fait, hein. Donc c'est pas moi qui... En fait faut le désactiver dans le truc de tab en fait. Ouais, tu vas dans tab et tu le contrôle de l'interface. Donc caster X-ray contrôle.
sinon c'est les... Ah, en fait, c'est les... Sinon c'est eux qui décident... Effectivement, voilà, j'avais laissé cocher ça. Effectivement, c'est Rook. On va continuer sur ce match. Et concernant l'autre match, sachez que Titan vient de perdre le Gunrun face à Pentas. Sur cash. Attends, parce que les Pentas sur cash sont plutôt très très solides. Donc il va falloir se méfier. Attention, côté LGB, encore une fois, exactement le même setup. On va juste accélérer et changer de rythme sur cette prise de VP. Ça va partir un peu plus tôt dans le round. Mais on le voit, on est en place côté NB pour riposter. Et ça va peut-être être... Le rune important pour NBK et ses coéquipiers. Kyoshima qui est directement back up. Attention, c'est parti sur le BP. NBK, NBK. NBK, 4 kills, 4 kills, 5 HP. Impérial NBK, c'est dans la BP malgré flash. C'était super propre. Bien joué de la part de du joueur français. Allez, 3-3, on recolle tout de suite côté NV, on laisse pas les LGB s'échapper, ils ont bien raison, attention parce qu'on est encore en H à côté norvégien. Il faut pas donner ce round, il est primordial, il faut s'installer économiquement côté NV, il faut enchaîner les rounds, rentrer dans ce winner match de cette poule B et ne pas lâcher les LGB, trop avoir le believe et la confiance parce que ça pourrait aller très très très, très vite derrière. Ça pourrait remonter très vite comme tu le dis. Attention, ce match peut être piège. Pour Envy. Allez, Kiyoshima avec son équipier Shox sur ce BPB. La bombe a été droppée au niveau du Angara. Il est tout seul au niveau de ce toxique. J'ai pas vu c'était quel joueur. Je crois que c'est Zeves. C'est Zeves qui va se faire décaler par Shox. Et ça, c'est très intelligent de prendre l'agression sur cette longue baie parce qu'on sait que souvent, cash, vous voyez qu'il se passe rien pendant genre 30 premières secondes du round, c'est que c'est un contrôle map très classique. Et comment ça se passe un contrôle map classique? On a un joueur en B qui est en l'orc. Ensuite, on a deux joueurs dans le mid, souvent sur le boost, un dans le main, et c'est tout. Donc il faut vraiment agresser cette longue baie, c'est très facile de prendre ce kill. Ça a été très intelligemment fait derrière, ça redirige sur le BPV côté LGB. Et attention, parce qu'on a plus qu'un seul joueur pour défendre ses smiths. Mais je crois que c'est présent. La flash qui est bien mise. Pour ça c'est toujours du 5v4, on voit que les stuff commencent à partir au niveau de ce BPB. Shox est très bien positionné, Shox très agressif, il va sortir de cette veine, on prend un premier kill. Oh là 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 là. Ouh, le stop de Rain qui va empêcher Shox de prendre un nouveau kill. Rain, attention, le deuxième kill. Rain qui est on fire. Ah ouais, c'est ce que j'allais dire, Rain fait très très mal à Envy avec cette shot, ça va très très vite. Ça enchaîne vite les frags. Et bien sûr on vous tiendra au courant des différents scores qu'il y a en ce moment dans les différents matchs. Et les autres matchs sont terminés, donc Fnatic et Na'Vi ont gagné, donc ils vont s'affronter d'ici quelques minutes également. Ouais, ça devrait pas tarder à start, au final il y a pas trop de retard, hein. On avait pris beaucoup de retard au début, mais ça a été très vite équilibré vu qu'il y a eu quand même de relatives grosses tompes sur les premiers matchs, à part le match de Titan Envy. Donc ça a été bien, bien compensé, c'est plutôt cool. Pendant ce temps, on est au côté LGB, on est au tech. Koran B, Kiyoshima qui arrive à faire un premier qui lui reste 11 balles, il a reculé, la flash est bien partie pour son match. Il y avait les Sharks qui est au-dessus pour aider son. Oh, attention sur le décal de GKM et de Zeves qui font très très mal. Smith la petite flash, Kyoshima. Attention. M, ouais, Kiyoshima qui était un petit peu naïf sur ce coup-là. Peut-être aura fallu peut-être pré-fire un petit peu plus. Attention, Smith qui fait le bon kill. La bombe qui a été posée, belle opération pour les LGB. Le but était de poser cette bombe, donc objectif réalisé. Ils sont contents. Attends, c'est que du bonus. Ah, la petite mollo dans les pieds de son coéquipier. Il nous fait une Hall of Meister. C'est bon, c'est bon. Pouvoir désamorcer sans mourir, c'est cool. Par contre, ouais, Kyoshima un petit peu naïf là, qui a vu Shox, avait pris un kill puis deux. Je pense qu'il attendait juste que Shox reparte en fait, qu'il arrête son fight pour venir prendre la double lame et ressortir derrière pour peut-être éventuellement finir le round. C'était intelligent de sa part. Maintenant, il fallait vraiment qu'il s'attende à ce que son mate aussi tombe et qu'il puisse se faire éventuellement courir dessus. C'est ce qui s'est passé. Il a pas eu le temps de réagir, le kill a été pris, la bombe a été posée. Très bonne opération sur cet écho d'LG. Let's go, let's go. Allez. Un petit tap-up qui est sorti sur Poly. Ça c'est bien joué. Ouais, et attention à Poly au snipe. Hein. Poly à la VP est très 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 chaud. Donc il faut s'en méfier de ce joueur. C'est parmi les éléments à surveiller, je pense, avec Rain côté LGB. Il faut surtout pas les laisser trop s'exprimer. Ça pourrait aller très vite. Et Kyoshima très très vénère qui arrive dans ce main dans le dos de Poly. Qui va prendre ce kill très bon boost pendant ce temps. On sort au niveau de la porte. Ça va être rapide. NBK. Attention, NBK qui arrivera pas à faire. Mais si finalement c'est Chasse qui arrivera à faire tomber la bombe. Ça sera maintenant de 2v1. 2v3, pardon, mais. C'était sans compter sur Zeves qui va tomber lui aussi, 49 HP pour Jekem avec la bombe qui repart au niveau du pick-up tranquillement. Attention quand même à pas partir trop vite. Jekem qui
est toujours patient là dans ce spot CT. Il se montre pas, il attend vraiment que l'erreur vienne de ses adversaires. Et là, c'est lui qui va la commettre par contre sur Smith. Oui, 6-3, on prend le large côté Team MDS. On prend le large, exactement. C'est bien joué. Alors que je vais faire comme tout à l'heure, je vais aller écouter la com de Envy. Et je vais t'en parler juste après de savoir un petit peu comment ça se passe. Exactement. Alors on est parti sur un round d'écho normalement côté LGB. Ça va sortir du Tech 9 Kevlar, du classique. Là c'est un round à ne pas perdre. Il faut impérativement sécuriser ce point. Partir sur un 7-3, continuer à détruire le cycle écho de LGB pour les obliger à jouer en force buy, se passer du sniper sur Poly. Pour vraiment les money fuck en fait, hein, tout simplement. Il n'ait pas tous les avantages qu'il peut avoir avec de l'argent. Et on décide de partir sur une agression en B. Kyoshima encore une fois très naïf, mais Kyoshima qui est bien quand même pas shot. Il ne tombera pas shot. Il ne reste plus que Rubinho et c'est MBK qui vient conclure. Super défense de ce BPB. C'est Shox encore une fois qui a été impérial. Et Kyoshima, attention, qui a eu un petit peu de luck encore une fois sur ce round. Allez, cette fois-ci, on est sur un round d'armée. Poly qui sort une nouvelle fois son AVP. On le rappelle, round d'avant, il n'avait pas pu s'exprimer avec. Il s'est fait courir dessus par Kyoshima qui s'était fait boost dans le middle. Le kill a été pris de dos dans le main. C'était très, très intelligent. Et là, je pense qu'on va repartir sur un setup beaucoup plus classique côté Team Envy. Ça fait deux fois qu'on change de rythme. Là, on est armé côté LGB. C'est plus au Envy de faire le jeu. Maintenant, ils doivent vraiment réceptionner les agressions. C'est pas eux de tenter les coups. Et pourtant, Kyoshima qui va encore se booster, qui va rentrer, qui va prendre le kill sur le bomber derrière ses raids qui était très bien placé derrière le camion. Spot 0 pour revenge instantanément. Mais belle info, on a vu où était la bombe côté Kyoshima, c'est du 4v4. Attention quand même côté LGB de ne pas fuck ce revenge et de continuer à jouer sur ce petit avantage qu'ils avaient. Ils ne l'ont plus maintenant. C'est NBK qui va sécuriser sur GKM. On est maintenant en 4v3 en faveur de la Team NDS. Happy qui enchaîne derrière sur Rain. Du 4v2, 4v1, et puis double kill. Il ne reste plus que ZVS, ZVS 44 HP, ZVS 1v4. ZVS qui va certainement décéder dans quelques secondes sous les balles de shot, ce qui a très bien évité la flash. 8-3, on commence à s'envoler côté NDS. Très bien joué également, la communication qui est très fluide entre eux. Et Happy qui annonce le 7-3, c'est pas assez, faut aller plus loin, faut pas lâcher l'affaire. Et franchement, ils sont très motivés sur chaque kill, même en écho. Et ça fait plaisir pour cette équipe envieuse qui, pour l'instant, prend le large. Malgré un rain très très chaud avec des only headshots, je crois qu'il est à... Il a un bon pourcentage d'headshots, là voilà, 81% d'headshots. Il a fait 11 frags, donc c'est quand même pas mal du tout. Et ça va encore une fois tenter de passer en B, attention à ce rush. Et Rain qui est en frontline, donc nous avons tenté d'open sur Smith et c'est fait! Le nouveau headshot de Rain en frontline, juste avant. Le petit qui est pris derrière, c'est que Kyoshima qui est là pour équilibrer les compteurs, c'est du 4v4 à suivre, mais la bombe est posée. La bombe a été posée, pardon, Poly a fait le pass. Pour prendre le kill, attention derrière, 4v2 maintenant. Happy 1v4 à la VP, il a beaucoup d'argent, il va évidemment tenter de le jouer pour faire tomber les armes, c'est très intelligent. Un kill de prix, juste après que la flash lui pop au visage, attention pas se faire surprendre par ZVS ou par... je crois que c'est Rain hein, qui est derrière la rampe. Ouais c'est lui, Happy qui va finalement tenter cette escape pour mettre la web de côté. Je pense. Il va l'écho tranquillement. Et il a raison dans le sens où... Il peut se permettre de le perdre pour le racheter, mais par contre, ce qui peut être intéressant pour l'AGB, c'est qu'ils peuvent le récupérer, ça va s'il le tue. Parce que là, ils ne peuvent pas se l'offrir normalement, le sniper. Personne n'a l'argent pour l'acheter. Ils sont très très loin, ils sont très 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 loin. Ce qui fait que certes, Happy se permettre de le racheter, mais il leur aurait donné, et ça aurait été très bon pour Poly. Ce qui est très intelligent de la part de Happy, du coup, c'est de ne pas aller suicider pour le garder pour lui, cet AWAP, et ne pas le livrer sur un plateau, c'est Norvège. C'est pareil, il faut rester concentré du côté d'Envy. Allez, 8-4. Throwing smoke, throwing fire. Est-ce qu'ils vont se diriger? Deploying flashbang. Attention, Happy qui décide d'agresser porte avec son AVP. Setup double snipe. Hein. Smith est le sniper. Et je crois qu'Happy va avoir une sale surprise ici quelques secondes, à moins qu'il ait l'intelligence de checker le corner. Et c'est ce qu'il ne va pas faire, malheureusement. JKM qui a pris le kill très très malin. JKM qui s'attendait à cette agression. L'entry qui est donc sécurisé côté norvégien. Peut-être le 8-5 qui se dessine. Ouais, peut-être le round. Le prochain round qui va être mis du côté de. Flashbang. DLGB, attention quand même. A pas laisser passer d'autres rounds comme ils ont fait tout à l'heure face à Titan. Ça serait bête. Et surtout face à ces LGB, les LGB qui ont faim, ils ont tout à prouver, c'est eux les affamés sur ce match, pas la Envy. Et ça se voit pour l'instant, ZVS qui va prendre un nouveau kill, c'est du 5v3. Les LGB qui sont sur le point d'éventuellement sécuriser un cinquième point et potentiellement bah, de casser l'économie de ZVS qui seront en rachat derrière.
Encore un headshot pour Rain sur Shox. Derrière il enchaîne directement pour passer spawn CT. Est-ce que ça va passer au niveau du BPB? Je pense que ça va aller tranquille sur Rain qui est bien placé au niveau du spawn CT. Encore une fois Poly qui fait le bon kill sur NBK. Et il reste déjà plus que Smith qui va devoir écho son AWAP sur le BP. Bah, Smith qui n'a même pas bougé, il savait que c'était en B, il a absolument pas cherché à dueler. Et c'est plutôt intelligent de sa part, faut pas qu'il donne ce sniper encore une fois. On part sur un 8-5, attention, l'économie des Envy est en train de chuter littéralement. Il se pourrait qu'il se retrouve en écho sur un éventuel 8-7. Hein. Ouais. Enfin, des cons en force buy. Alors que Smith se fait plaisir en prenant un double kill. Attention, il va faire l'erreur peut-être là, Smith. Ouh. Non, c'est bon, c'est bon. Il va se calmer. Non, il va revenir se cacher. Il risque rien. C'est bon, on va save la VP côté Smith. Bonne opération du coup pour Eddie. On va garder cette AWAP. Ça va le racheter également côté Happy. On part donc sur un nouveau round armé. Mais attention, c'est un setup qui coûte très cher, hein, ce setup double snipe. Il faut impérativement le rentabiliser. Sinon, derrière, on va être à walpé. Et ça pourrait donc call un 8-7 sur un force buy d'NVS. S'il a jamais venait à remporter ce point. Exactement, alors que de l'autre côté, du côté de Panta contre Titan, sache que les Titans ont commencé terreau et sont menés 5 à 3. Ah, et shot, il va burn, bon kill. Ça c'est bon. Ça. Exactement, Ren qui, encore une fois, on a pris un gros HS avant, juste avant sur Kyoshima. Ouais. Ren qui est décidément intenable hein, sur cette game. Qui est très très chaud ce joueur là, il montre de très belles choses. Attention à Poly avec son sniper qui est en train de se faire rusher par Shox. Ah, il l'a vu Shox, c'est Shox qui va décaler. Poly est plus rapide et encore une fois un round qui va être sécurisé par les LGB. Attention aux LGB, attention de ne pas laisser passer trop de rounds. Là ça fait un petit peu beaucoup, ils avaient le match en main, encore une fois le side en main pour monter petit à petit à chaque fois. Attention à ça. Et ils perdent des rounds très importants, on les a vu être très agressifs sur ce point là. S'il y avait bien un point où ils ne devaient pas changer de rythme, où ils devaient être safe, c'était celui-là. Parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient éventuellement se retrouver en force buy pour le dernier round de ce side. Et ça c'est très très mauvais, c'est même pas vraiment intelligent je trouve de la part des Français d'avoir tenté cette prise du 1000 à 3. Et ça va tout simplement leur coûter le round, et peut-être même leur coûter le round d'après, hein, puisqu'on va quand même avoir... peu de ouais. joueurs avec beaucoup de stuff. Ils vont pouvoir acheter, il y aura de la M4, mais il y aura peu de stuff, il y aura peut-être même du FAMAS. Mais ça va être très très léger en termes de stuff pour certains. Ça va commencer à être compliqué pour eux là. S'ils commencent à se prendre des rounds où c'est du 3v1, du 4v1, c'est-à-dire qu'ils font vraiment un ou deux kills, c'est vraiment pas beaucoup, faut faire quand même tomber plus de d'armes. Deploying flashback. C'était... Et là on voit un Shox, il n'a qu'un Molotov, il ne l'a même plus. Kyoshima vient de tomber sous l'entry kill de Poly qui fait parler de lui avec son AVP, ce n'est pas revenge derrière. L'avantage numérique est donc sécurisé. Attention côté Envious, attention, la game est loin d'être gagnée. Il ne faut surtout pas sous-estimer ces LGB qui sont en train tout simplement de montrer qu'ils sont présents. Exactement, ils sont en train de remonter petit à petit. Session de 5v4. Attention encore une fois, Rubinho t'es fait boost, ils sont tout le temps là, ils sont tout le temps présents sur ce boost. Ils lâchent pas l'affaire au niveau de cet endroit, ils sont présents. Et c'est pas deny hein, pour l'instant par l'Envious, ça a été deny deux fois par deux boosts consécutifs de Kyoshima. Ça a été lui, maintenant on ne peut plus tenter cette carte, on ne peut plus jouer de cette manière là le middle. On voit que Shox du coup se retrouve contact sous le Ven pour un éventuel backup en B. Le problème c'est que visiblement ça veut partir hein, encore une fois, Shox qui s'avance dans le mid qui a fait un premier kill, c'est bien joué. Peut-être le deuxième kill de Shox, ça c'est super joué encore une fois. Peut-être pour donner l'avantage numérique et peut-être le rouge pour les Envy. Attention à Shox qui fait le tour derrière. Oh bah non, parce qu'il y avait Poly qui attendait au niveau de la porte. Pas trop de bruit, attention, le 3v4, le 3v2 maintenant, c'était du 4v3 qui se transforme en 3v2, changement complètement tactique du côté d'NVS. Attention, NBK qui est très bien placé dans les conduits, il faut faire tomber cette bombe avant qu'elle ne passe. Il a mis un petit peu de dégâts. Zeves, il l'a vu. Allez, fais tomber la bombe, c'est bien joué, 15 secondes de jeu. Happy qui va back, voilà. Pour la cover. Super, c'est gagné. C'est GG pour les NVS, ça, 9-6. Très très bon backup d'Api qui a permis le crossfire sur Zeves qui a juste complètement dit non au kill sur NBK. C'était très malin. 9-6 encore une fois, ça c'était en demi-teinte pour l'NVS. Ouais, ils tiennent le match en main au début, ils gagnent 6-2, 7-2. Et petit à petit ils se relâchent, ils se reforment, remontent petit à petit. Et finalement pour lâcher 6 rounds en terreau au LGB. Attention quand même derrière. C'est LGB qui sont extrêmement chauds, hein, notamment Rain qui est mais... Ah mais Rain est on fire, hein. je regarde ses statistiques là. Je peux pas changer de joueur, attends, je peux pas changer de joueur encore. Il faut que je configure ma touche moi d'ailleurs. Mais ouais. Vraiment Rain, bonne impression pour l'instant. Ça va débrief sévère. C'est quoi ta touche par défaut pour avoir les graphes?
Je ne sais plus. Je crois que c'est A. Je crois que c'est A. Je tente. Moi, c'est A, ouais. Négatif, c'est pas A. Donc, Rain. Ouais, Rain, il fait très très mal. NBK, Shox, ouais, c'est pas mal. Pour l'instant, celui qui a fait le plus de dégâts sur tous les rounds, c'est quand même NBK. NBK qui est plutôt chaud aussi, il est présent dans tous les bons coups, on se souvient notamment de son 4 kills sur la prise de VPA des LGB. Donc ouais, franchement, un très bon NBK sur cette game pour l'instant. Un petit happy par contre, un petit happy. C'est vrai qu'Happy, on le voit pas beaucoup, il fait beaucoup d'erreurs, je trouve, en ce moment sur cette game, notamment l'agression porte qui a été très mal gérée de sa part, il aurait peut-être pas dû pousser autant. On s'en souvient, c'était JKL qui l'avait puni. Il aurait peut-être pas dû trop compter sur ce setup double AWAP, je pense, qu'il aura coûté cher, beaucoup trop cher en tout cas économiquement. Et ça les a mis un petit peu dans le mal. Pour le coup, ça va, ils ont sécurisé 9 rounds, mais il va falloir être très très chaud en terreau, pas laisser d'espoir au LGB. Si l'LGB met le pistol round, ça pourrait très très vite partir pour ce LGB. Et franchement, j'ai jamais autant cru que maintenant à une win des LGB sur ce BO1. Attention, attention, il va falloir être très solide sur ce side. Ça va être je vais aller tout de suite écouter la com de ce GR et je reviendrai juste après. Ça marche. Allez, on est parti pendant que Bloody va donc faire l'inspecteur du point of view des... Eh bien de la team NDS tout simplement. On part sur le piston round, les NDS qui sont en terreau et on perd pas de temps. On va tout de suite prendre le BPA. Mais regardez la minimap. Regardez, on est 4 en A. Mais ça prenait l'agression et ça court au niveau de la porte. Et là, c'est les deux clics qui sont sécurisés par Tsushima. Le GR est déjà quasiment gagné. Mais attention, il reste encore pas mal de terreau sur ce BP. Et c'est le BK qui prend un nouveau kill. Il ne reste plus que Zebes. Zebes et Rubino, c'est sur 2v4. On a encore assez de sur BP. Ce BP qui est toujours défendu par Rubino. Rubino qui va tomber après avoir fait un kill, pardon. Sur Smith, c'est Happy qui va arriver. Zebes tout seul. Zebes qui prend un kill sur Tsushima. Zebes 1v2. Zebes qui n'a pas de Kevlar, qui n'a pas de stuff. Il est condamné à mettre les one ball. Ça va être très difficile pour lui. Il va peut-être en mettre un premier. Non, c'est NBK qui va sécuriser. Très bon pistol round de la part d'Envy. Malgré eh bien, le all-in des LGB sur cette agression au niveau de la portée du main. Et ça va forcément acheter pour l'Envious. On a sorti eh bien, deux UMP45, un sur Shox, un sur NBK, un sur Smith, deux AK47 sur Kyoshima et Happy. Donc pas mal de stuff quand même. Et ça force buy instantanément LGB. Je cherche pas à comprendre. 5-7, Kevlar Cast, CZ du Kevlar et surtout un petit peu de stuff. On a quand même deux smokes, trois smokes et une HE. Ça va décider de prendre le mid visiblement côté Envious dans le monde. Bien joué, le GR qui a vraiment été bien cool, ils sont rendus compte très vite qu'il y avait une agression au niveau du tunnel de la porte. Et juste derrière, après un très bon call de NBK pour terminer le round en proposant à Pete d'aller décaler à deux du côté du gauche du BP. Et le call a très bien marché puisque à ce moment là CV s'est retrouvé tout seul en 1v2 et ne savait pas sur qui tirer. Et c'est bien joué, il sécurise le GR. Ouais, ils vont même sécuriser le premier round d'armée du coup de leur côté. On va partir sur un 6, le force buy des LGB qui pour l'instant n'est pas du tout payant. Du coup, on a deux joueurs qui vont tenter d'éco leur pistole et surtout leur Kevlar. Pour le deuxième round d'éco qui est sûr, on a deux joueurs qui seront du coup plutôt yimb côté LGB pour peu qu'ils ne tombent pas pour eh bien, l'éco qui va suivre. Et on est comment pour l'instant en même temps au niveau des titans? Est-ce que t'as des news? Ça menait 8-3 en terreau toujours. C'est pas bon ça. Ouais, ils sont en terreau. Je pense qu'ils ont un meilleur side CT que side terreau. Donc après à voir. Mais pour l'instant, c'est vrai que pour l'instant, Panta maîtrise son sujet en gagnant 8-3. Et le match est en pause, je crois. Alors je sais pas, vu que j'ai tèche le chat, je ne sais pas s'il y a une pause de call, j'arrive pas à parler. Et non, visiblement ça va, c'est plutôt cool. Sur le match Titan. Sur le match de Titan, d'accord, ouais. Pas de soucis. Et du coup, bah voilà, comme je te le disais, on est en écho côté LGB, on ajoute deux joueurs qui ont écho leur pistole Kevlar 15, donc ça c'est bon OP. Mais derrière, il y a dans le mid et Sabi qui va être là pour prendre le premier kill sur Poly. Il a vu qu'il y avait encore 4 CT dans le middle, du coup on déclenche toute l'agression sur le BP, on mollo le vent. Smith qui reste derrière au cas où ça push. Pour l'instant, normalement, il ne devrait pas y avoir de surprise sur ce point. On devrait avoir un 12ème round pour les NVS. Exactement. 12ème round, encore une fois, qui est bien mis. La bombe qui va pouvoir être posée. Et les UMP45 qui vont faire mal. Même si là, quand même, Rubinho se mit bien en récupérant une AK. Eh, Rubinho, son objectif, là, c'est pas d'aller faire des kills. Hein. Clairement, il a une AK, faut qu'il la garde. Le round prochain, ça fera toujours, toujours une arme de moins à acheter. Donc normalement on est plutôt cool, Smith qui va mettre un très bon HS sur Rain, histoire de le détendre un petit peu. Rain, on vous l'a dit, qui est pour l'instant très très chaud, qui n'a pas pris le kill sur ce second side pour l'instant. JKM qui par contre lui va se débarrasser de Shox, on fait tomber une arme de plus, JKM double kill, on va perdre trop d'armes, Smith qui continue à courir, qui va se débarrasser de DVS, et qui va faire tomber la K, ça c'est très important.
Mais néanmoins, on fait tomber 3 armes côté LGB Sport sur 7 échos. C'est totalement rentable. Allez, on est reparti pour ce match entre LGB et Team NVUS avec une passe en quart de finale. Je vous rappelle, parce que c'est du format GSL, celui qui gagne ce match passe directement en quart de finale qui se dérouleront demain. Exactement, ils commenceront à 13h je crois, 13h, 16h et 19h pour les horaires. C'est et pendant cette mission, nouveau round d'armée Kyoshima qui vient se débarrasser du window d'RJ, un triple kill. C'est Revenge par Sibis, 3v2 à suivre. Sibis, Happy, qui vont devoir aller chercher ce round d'armée dans une situation très compliquée. Attention Happy en mode un petit peu foin-foin là qui va réussir. Oh là Happy. Happy qui fait le kill sur Rain, Poli qui a pas eu le temps de revenge son pote, mais avec beaucoup de temps. Attends, c'est Smith qui se retrouve tout seul en 1v2. Est-ce qu'il est capable de mettre son 1v2? Surtout qu'il a l'avantage puisque les CT sont partis de l'autre côté de la map. La petite smoke au niveau du spawn. C'est bien joué, la petite flash au-dessus. Malheureusement, ça annonce à Zeves qu'il est passé. Ah non, mais il s'est très bien joué, il est en train de repartir en A. C'est très bien joué de la part de Smith. C'est pour ça que je te dis qu'il est intelligent. Il est en train de fucker complètement la défense de LGB et de les prendre à contre-pied. Il va arriver sur le BP alors qu'il aurait été complètement lâché. Très très bon move de la part de Smith. C'est vrai que pour ça, il mériterait de mettre le rôle. Direct. Faut poser direct, comme ça on fait croire qu'on est en B. Est-ce que Poli a eu l'info? Il récupère du stuff en plus de ça, il a deux flashs maintenant. Attention, il va se faire surprendre probablement par la short et par le spot CT en même temps. Il va falloir qu'il soit très vigilant. Les deux joueurs qui vont s'aligner. Attention à la prochaine. Oh la prochaine est annoncée. Oh mon dieu. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça tous les deux? Pourquoi? Là, j'ai senti arriver trop loin ça. Mais pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent tous les deux au même endroit? Là, il fallait Mais tellement. Quel route de la part de Smith. Il fallait tellement que Zeves se dirige vers le côté là, gauche du BP. Là vraiment dommage pour les LGB qui aura pu mettre ce round. Happy qui prend l'information au niveau du mid, attention à pas se faire surprendre, le conduit qui a été pété. Et là on est en écho côté LGB, ouais, donc forcément Happy, il va toujours en leur cœur hein. Toujours en Cooper le Happy qui va prendre son premier kill, qui peut être son deuxième kill avec son full, c'est très bien joué. Et on est maintenant sur du 14-6. Là, et à c'est mon terminé avis, pour LGB. Ça sent très bon pour NVUS et ça sent la chaussette pour... La chaussette. La chaussette, oui, pour LGB. Effectivement, je suis plutôt d'accord avec toi. Là, les LGB qui ont juste pris un énorme coup... coup moral hein, sur Trône d'Armée, magnifiquement bien joué par Smith. Dans le sens où en même temps, il y a eu quand même la grosse erreur d'LGB qui sont juste empalés. Hein. C'était visible à des kilomètres à la ronde qu'ils allaient se faire empaler tous les deux. Et pour le coup, 14-6, on n'est pas bien du tout côté LGB, ils ont plus droit de perdre de round. Notamment pas celui-là, sinon ils sont en force buy pour le dernier. Allez, on y croit, attention à Polyphone qui fait un double, qui est en milieu, qui fait un bon kill aussi. Attention, c'est pas sous-estimé. C'est LGB qui nous montre là qu'ils sont capables de mettre quand même quelques runes. Je vais aller voir du côté du TS NGS comment faire ces derniers runes. Ce round d'armée notamment. On part donc pour de la chaîne. Il n'y aura pas d'AVP côté Team NVS. Et par contre le cas sur Poli qui a d'ailleurs été extrêmement solide juste avant, il venait de prendre un double kill avec son AVP qui est toujours devant tous ses mates avec 16 kills au compteur. Il y en a 21, on a les deux leaders pour l'instant au scoreboard. Et attention à ce boost dans le middle, shot qui va être vu. Bon après c'est pas Poli, attention il y a double décal qui est fait. Mais Poli qui met la web derrière, c'est bon propre. Tout ma chaise de... Heureusement qu'NDK est là pour le mec. On se retrouve du coup en situation de 3v4, avantage côté LGB. Avec Yoshima qui n'arrivera malheureusement pas à prendre le kill. Sur la short, derrière il se fait mollo, il se fait stuffer un petit peu de partout, il s'en sortira avec 20 HP. Pendant ce temps, NBK et Apic qui foutent un bordel monstrueux sur la map. Un kill chacun de récupérer. Ce 4v3 s'est transformé en 3v2. Le BP a été sécurisé, on va pouvoir poser la bombe. Et l'avantage du coup est complètement retourné. Ce sont les NVS qui ont maintenant le round normal. Super bon. De la part d'Apirac qui est sur Zeves, que Rubinho qui n'est pas vu, qui n'est pas info dans le short, mais c'est NBK qui va venir conclure 15 et on a très peu d'argent. Côté LGB, on a un joueur à 1 700 $, un joueur à 2 700, seulement 3 CT qui ont de quoi s'acheter des rifles et du stuff, les autres seront pistoles et au Kevlar. Autant dire que là, ça sent bon le 16-7 pour nos Français.
Et très bon run encore une fois de LGB, de NVUS pardon. LGB qui galère un peu par contre, c'est dommage. Je les sentais un peu plus en forme que ça au vu ouais, de je suis un petit peu déçu de les voir autant prendre l'eau. Après l'Edvia joue très très bien sur ça avec des roches, je le dire aussi. Exact. Et de l'autre côté, je vais aller voir du côté de Titan... 11-4. Titan Pentard, 11-4 pour Pentard et sa GR, Switch. Là. Sa Switch, faut pas perdre le GR, les filles. Ah non, là, faut pas perdre le GR, c'est sûr. Et Titan peut-être au bord de l'élimination encore. Là, je crois que c'est le split. C'est le split, autrement. Faut surtout pas qu'il se fasse éliminer maintenant. Je sais pas si ce serait le split, mais à mon avis, ça donnerait un gros coup moral chez certains RPK maniaques, à mon avis. Exi Azuel. Exi aussi. Je me sens pas bien. Et pendant cette attention, on déclenche l'agression au niveau du MPV. C'est très bien, oh, bien joué. Triple kill de la part de Ray. Triple HS. Très très avec smart. Avec son 5-7. Et bah, ça va permettre au LGB d'exister encore un peu poulet dans ce match. Exactement. Encore un petit peu de rune à eux. Allez, Happy qui va peut-être tenter de faire tomber quelques armes quand même, parce qu'ils sont quand même bien au niveau des sous. Les NV, il y a du 6K, il y a du 8K, du 5K. Quoi qu'il arrive, il y aura quand même un petit peu de sous. Happy qui est très prudent, hein, lors de son déplacement. Il n'arrivera malheureusement pas à surprendre ZVS, puisqu'il sera plus rapide. Au final, c'est imperfect sur ce force buy de la part d'LGB qui l'ont très, très bien négocié. 15 à 8. On est évidemment toujours en achat côté NV, il n'y a pas de problème à pouvoir se drop. Et on est encore une fois sur une balle de match pour les Français. Est-ce qu'ils vont être capables de mettre ce dernier round et pas se faire remonter, je l'espère. Ça sera un petit peu bête de se faire remonter quand on mène autant. 15 à 8 notamment. Allez, la petite smoke qui va passer. Hey, ça accélère, ça change de rythme sur le BPA, c'est très intelligent, regarde, on a qu'un joueur. Il est tout blanc. Attention Rain, est-ce qu'il va être capable? Et non, Rain qui tombe, et à mon avis quand Rain tombe, ça peut faire très mal. Attention pour les nouveaux de ce jour, oh là, gagné, c'est terminé les poulets, c'est terminé là. Il y a plus d'espoir du KM et ZVS en 2v5, c'est juste pas possible. Ce 2v5 c'est compliqué, ZVS qui fait quand même un bon kill. Attention à GKM qui est bien avancé également. ZVS qui a plus que 14 HP, 14 HP. Et le bon kill de Smith, et c'est terminé! Superbe! Terminé! NVUS superbe match. Est en quart de finale! Exactement, la NVUS qui sécurise.